bistouri. Un scalpel. Bah, fais une petite vidéo pour montrer que ta moto est comme ça. Il a mis quoi ce con? 3600 l'enfoiré quoi. Ah, il respecte rien, c'est un truc de ouf. Ah, fixe 3600 quoi. Ah putain. Alors par contre, les gars, parce que j'ai vraiment fait en sorte de pas avoir le scotch qui colle sur la moto. C'est pour pas que ça te laisse des traces. Putain, vous êtes fait chier quoi pour faire ça. Hein. Ça a duré 2 secondes. Nope. Putain. C'était chaud, hein. J'ai failli m'en mettre une là. Fais lui refaire son pare-choc. Ah, il y a un petit rétro à remettre là. Oh papy! Bonjour, tu veux que je te remette? Ah, ok, ça roule. Vous donnez. Oh, il y a de sacrés travaux quand même, hein, mine de rien, ici. Hein. Oh ouais, ça, c'est la première fois que je vois le périph' comme ça, quoi. Ils sont peut-être en train de créer une voie à 130 km/h, hein, ce serait pas mal. Hein. Moi, je dirais pas non. Hein. Ah ouais, ça charbonne. Hein. On lâche rien, les gars. Tous les coups ils me font contrôler moi. Bon, est-ce que je vais me faire contrôler ou je vais pas me faire contrôler? C'est ça la question mon gars. Bon, ils ont l'air occupés avec le monsieur là-bas. Normalement ça devrait pouvoir passer. Personnage, vous l'avez peut-être déjà aperçu car justement il ne passe pas inaperçu. Etienne Nelson est amateur de bolidage, à savoir du tuning, et c'est vraiment très étonnant. Ça me suffit. À la rencontrer. Oh là là, le sapin de Noël quoi. Et pour une fois, c'est pas une Renault. Oh non, un miskin. Ah mon gars, il avait un de ses looks. Ah, petit contrôle de police, qu'est-ce qui se passe? Oh, ou alors ça a cartonné. Ouais. Et le clignotant, est-ce que c'est pour les chauves peut-être? Ouais, je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, ça va l'air d'être chelou. Trois bagnoles de flics pour une bagnole. Ça va l'air de puer un peu du cul quand même. Ça a flashé, hein? Mais c'était... C'est moi. Ah, c'est toi? Ouais. Merde. Mais je te l'avais dit, c'est pour ça que je t'ai dit... Je te l'ai montré, je t'ai fait genre... Je sais pas si c'est moi, c'est lui. T'as fait lui, mais t'as fait plein de balles à côté. Ouais. Moi, je pense que c'est lui, hein. T'étais derrière moi, donc je pense que c'est lui qui s'est fait flasher, hein. J'espère. Je pense, hein. À mon avis, il a accéléré trop tôt. Mais je vais être sur la photo aussi, donc il aura rien, normalement. Vas-y. Allez, tu rentres dans Paname, tu vois ça quoi. Normal. Ah,
enfoiré. On va essayer de déhancher un petit peu. Enfin, je fais gaffe parce que les pneus sont froids. Ah là, ça fait du bien. Des petites accélérations comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, t'as la veste, ça me suffit, t'as pas de blouson de moto. Allez frérot, tranquille, restez calme, respirez un coup. J'ai mon blouson d'Enes juste en dessous de ma veste, ça me suffit. Je suis pas un gueudin. Hein. Et puis au pire des cas, si j'ai pas envie de m'équiper, ça regarde que moi les potes. Chacun fait ce qu'il veut. Si t'as pas envie de t'équiper, tu t'équipes pas, après t'assumes, c'est tout. Moi je préfère m'équiper. C'est pour ça que j'ai mon pantalon coquet. J'ai mes bottes de moto, enfin mes chaussures de moto qui montent jusqu'à la malléole. J'ai mon blouson d'Enes. J'ai ma dorsale d'Enes en dessous. Et voilà, je suis full équipé mon pote. C'est pas parce que tu me vois rouler avec une veste, ça me suffit que voilà, que j'ai pas de blouson de moto en dessous. Jamais de la life. Jamais de la life. De ouf. Ah, j'ai bien mon blouson de moto en dessous. Alors aujourd'hui, je pourrais pas te montrer ça. Malheureusement, parce que j'ai pas la caméra frontale, premièrement, et puis deuxièmement, même si je l'avais, tu verrais rien de nuit. Les GoPro, ça pue la défaite. Même là, t'as l'impression, je suis sûr que là, t'as l'impression que j'ai pas de phare, alors qu'en vrai, moi, je vois très bien, tu vois, alors que je suis avec mon Iridium. Hein. Mais les GoPro, là, de nuit, ça rend jamais très très bien. Donc voilà, je tenais à faire cette petite mise au point. Bon, alors là, on va à un tournage, mon pote. Tournage pour un petit court-métrage, clip, on va dire. Je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air pour le moment. Mais en tout cas, il y aura des fumigènes. Alors s'il y a des fumigènes, moi je suis chaud, tu vois. Mais avant toute chose, on va aller faire le plein. Hop là. Et comme par hasard, j'ai mis ma CB sous mon pull. On adore. Voilà, là on est paré. Essence faite. Ouais, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien, tu sais quoi. Moi, c'est le prétexte pour ressortir la bécane avec le frérot Cédric et Alpha Raider. Qui sera là bien sûr pour couvrir l'événement en tant que photographe. Il est trop chaud. Oh quoi ? Ouais. Je crois qu'ils sont un peu plus loin les gens. Putain, ouais, ils sont 40 000 ou quoi ? C'est toi, Santito ? Ça va, tranquille ? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas la DSP et tout. Salut. 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 Putain, ouais, il y a du monde, hein. Salut. Salut. Vous êtes 40 000 pour filmer, là ? Ouais, c'est pas pour filmer, c'est pour... On va commencer ici, je crois. Si vous êtes chaud. Vas-y, tu veux faire quoi, alors ? On voudrait faire comme un démarrage de course en quelque sorte. Non, non, vas-y, viens, ils ont juste besoin d'une scène avec les 4 bécanes là. On fait genre comme si on faisait une course. Hein ? En statique ? Non, on va vraiment rouler là. Ouais, mais on y va pas. Bah, on y va, mais genre, mais juste sur 50 mètres, après tu lâches. Du coup, on est combien à faire la course ? Moi je l'ai fait, de toute façon on fait un run, hein, c'est tout. En gros, on va partir là, je crois la meuf elle va être avec des fumigènes et tout, tu vois. Et après nous on trace au moins jusque là-bas. En gros, tu passes ta première, ta deuxième. Si t'es chaud, tu passes la 3 et après tu lâches, tu vois, et après on vient ici. Et après ils vont faire des plans statiques, comme ça, tu vois. Ça va partir. Là on va essayer de se faire un départ arrêté. Il y a la meuf qui doit nous faire le top départ. On se met là ? Cédric, viens voir. Et là, mon gars, avec la fumée et tout.
Ah mon gars, elle est ouf celle-là. Elle est gang de ouf. Un grand merci au frérot Alpha Rider de m'avoir accompagné dans cette petite soirée nocturne. Ça fait zizir. Donc si tu veux t'abonner à la chaîne d'Alpha Rider, c'est en fiche, en haut à droite, presque au niveau de sa petite tête. Bon bah voilà, le petit tournage de la vidéo est terminé. C'était bien sympa. Je remercie également toute la team du B2 de l'IUT de Sceaux. J'ai l'impression d'être en radio quand je dis ça, frérot. Bah voilà, de nous avoir conviés à leur vidéo présentation du nouveau BDE. J'ai kiffé faire ces petites accélérations, ces petits runs et tout avec le frérot Cédric. Merci à Alpha Rider pour les photos qu'il a pris de l'événement. Si jamais tu veux voir les photos, n'hésite pas à aller. N'hésite pas à aller sur mon Instagram, donc ça me suffit officiel. Également l'Instagram d'Alpha Rider, je te mettrai une fiche en haut à gauche si t'es pas encore abonné. Si jamais la vidéo t'a fait kiffer, et bah écoute, le petit pouce bleu que tu vois s'afficher en bas à gauche de l'écran. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, me laisser un petit commentaire si jamais ça t'a vraiment plu, auquel cas tu peux m'écrire une petite phrase, t'inquiète, ça marche. J'essaie de répondre à tout le monde. Et voilà. Allez, salut la team. Passez une bonne soirée, un bon appétit, une bonne journée. C'était Ça me suffit pour te servir. Ciao.